Bonjour à tous. Bienvenue pour la leçon du jour. La semaine dernière, nous avons vu que les types d'habitations sont répartis de manière différente selon les quartiers de notre ville. Dans le centre-ville, qui est le cœur de la ville, on trouve principalement des maisons mitoyennes et quelques logements collectifs, car ces deux types de logements permettent de loger de nombreux habitants sur une petite surface. Dans le quartier Bellevue, on trouve des logements collectifs sous forme d'immeubles regroupés, ainsi que des logements individuels. Autour du centre-ville, ou dans les quartiers les plus récents, on trouve uniquement des logements individuels, très souvent sous forme de maisons individuelles. Ces maisons sont soit isolées, soit regroupées sous forme de lotissements, comme celui des Capucines. Qu'allons-nous apprendre cette semaine? Aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière on peut se cultiver dans notre ville. Peut-être as-tu déjà quelques idées? Utilise le diaporama qui est sur ta tablette pour répondre aux différentes questions, puis apprends bien la leçon.